Fafight, je vais t'enculer, Fafight. Mais pourquoi tu le prends comme ça? Mais c'est rien! Fafight! Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Sully Prono. Vous avez été nombreux à me demander qui c'est ton pronostiqueur. Eh bien, la réponse, elle est là. C'est Sully Prono. Ça fait des mois et des mois que je le suis et grâce à lui, j'ai encaissé des milliers d'euros. Donc comme je suis généreux, je me devais de vous partager l'offre qui est en cours avec Sully Prono. Vous avez pour 1 euro accès à tous les pronostics, donc profitez-en, c'est 1 euro symbolique. Et puis si ça marche pas, tant pis, vous avez rien à perdre si ce n'est qu'un euro. Ça vous permettra aussi de vous faire une idée sur son talent et ses pronostics et pourquoi pas continuer avec lui si vous êtes satisfait. Le lien de son Telegram est en description. Pour jouer, il faut être majeur et non mineur. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. Ciao. Et Abdel l'a jamais conduit. T'as jamais conduit une Tesla? J'ai jamais conduit Tesla. Voilà. Donc, j'ai dit, ben, viens, on fait une vidéo. Tu conduis la Tesla et tu donnes tes impressions. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah ouais, quand même. Oui. Il y a un mec sur la route, frère. Incroyable. Oui. Arrête, qu'est-ce qu'il a? T'as ton téléphone? Ouais. Appelle les pompiers, monsieur. Frère, Frère, je sais même pas s'il respire, gros. Je sais même pas s'il respire, gros. Hein? Hey. Oh, qu'est-ce que tu... Oh! Abdel, t'en sais vrai? Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle parce que je viens de me faire rouler la voiture. Il y avait un monsieur par terre, en fait, on a voulu l'aider. Et en sortant de la voiture, moi et mon pote, on s'est fait voler la voiture. Il y a un mec qui est venu qui nous a volé la voiture. Est-ce que vous avez été témoin quand nous a volé la voiture? Mais non! Comment non? Mais j'étais en malaise, y'avait personne comme j'étais là. Tu restes là, tu prends pas le tout. Pourquoi vous voulez pas venir avec nous? On est pas violent, on vient de se faire voler la voiture. C'est normal qu'on ait des doutes. Je reste là, y'aura des doutes pour moi. Est-ce que vous avez été témoin quand nous avons volé la voiture? Mais non. Comment non? Mais j'ai fait un malaise, y'avait personne quand j'étais là. Non, c'est pas qui t'es mort. Putain, le seul truc que je me rappelle, c'est quand vous m'avez soulevé. On va s'énerver, c'est pas le but. Je reste là, mais monte, on va discuter. Vas-y, monte dans la voiture. Monte parce que je vais te faire rentrer. Monte dans la voiture, vas-y. Vas-y, monte parce que je vais te faire rentrer, frère. Attends. Vas-y, t'inquiète, je suis là. Si c'est pas vous, pourquoi vous voulez pas monter avec nous? Mais parce que tu fais voler la voiture, je me sens pas bien. Mais nous non plus, on vous connaît pas. Mais comprenez-nous, on voit un mec. Allez au commissariat, réfléchissez 5 minutes. On voit un mec au milieu de la route, on s'arrête. Au moment où on l'aide le mec, il y a quelqu'un qui vient nous voler la voiture. C'est une grosse coïncidence quand même. Je sais pas, et alors, qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Eh ben, on va au commissariat ensemble, allez-y, rentrez les gens. Mais déjà, rentrez la jambe, sinon je vous la casse. Allez, ça. Oh, c'est en train de m'énerver. Alors, soit je te pète la jambe, soit tu la rentres dedans. C'est bon? Je retiens tout ça, et après, je porterai plein de ça. Tout a été filmé, allez, vas-y, rentre ta jambe, allez. Rends pas fou. Monte avec nous, frère. Non, on va aller au commissariat. Ça y est, on va au commissariat. Abdel, je te dis, on va aller au commissariat. J'ai rien à voir avec votre histoire de merde. Je vais porter plainte contre ça. Mais tu me dis. C'est qui ton pote? Mais de quoi vous parlez, putain? Oh, tu sais quoi? Prends à droite, frérot. Frère, incroyable ce qui vient de se passer. Incroyable. Oh, la Tesla, gros, je viens de l'acheter. Elle est neuve, gros. T'es assuré, j'espère? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle est géolocalisée. Mais là, les mecs, le temps que j'aille porter plainte, la géolocalisation, ça y est, c'est fini, ils ont tout enlevé dessus. Attends, frère, j'ai une idée. Regarde, avance, vas-y, il y a un parking là, j'ai une idée. On va voir. Vas-y, mets-toi sur la droite, s'il te plaît. Là, tu vas voir, il y a un parking juste à ta droite. Là. Vas-y. Non, mais on va y aller au commissariat, 2 secondes, je fais un truc avant. Vas-y, va à droite là. Vous savez que s'il m'arrive quelque chose là, on va rien vous faire. Vas-y, mets-toi là, frérot, c'est bon, ça t'inquiète pas. C'est bon, reste là, c'est bon, passer à la caisse. Reste là, c'est bon. On va faire simple, avant d'aller au commissariat, je vais vous fouiller. Parce qu'on n'a pas fouillé, frère. Il nous a dit qu'il avait pas de téléphone. Ouais, tu as dit qu'il n'y a pas de téléphone? Tiens, un téléphone déjà. Ouais, je crois. Non, mais attends, je vous donne les appels qu'il a eu. Mais juste avant, si c'est pas lui, il est en train de faire un footing. Il n'était pas censé être au téléphone, on est d'accord. Donc, récent, voilà. À 20h19. Il est 20h35. Vous avez le téléphone? On est à qui? Fais voir. Je t'ai fait à mon frère avant que tu sortes. D'accord. On regarde les messages. Frérot, vas-y, je suis posé. Oh, il est mort. C'est pas Midjif. C'est lui. Tiens. Pourquoi tu nous mens? Pourquoi tu nous prends pour des cons? Non, maintenant, tu vas appeler ton collègue là. Tu vas l'appeler devant nous et tu vas lui dire qu'il ramène la voiture, sinon on te pète la bouche. C'est bon? On fait voilà, quoi? Il va rester avec moi. Voilà. Eh, hey, appelle ton collègue avant que je te. C'est bon ou pas? Vous avez volé une voiture, tu crois que t'as volé quoi? Un téléphone là? Appelle ton collègue. Appelle-nous.
De toute façon, ce qu'il dit, je te jure, je te pète une droite. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, je suis parti. Vas-y, mais dis-moi, les gars, c'est bon. Je suis en 36. T'as vu derrière l'entreprise là, tu fais le fleur? Ouais. Abdel, garde son téléphone. L'endroit qu'il a donné, on va y aller. Dès qu'il arrive avec la Tesla, frérot, on le sort de la Tesla. Vas-y, go. C'est quoi? Et frérot, je fais jamais ça dans mes vidéos, mais je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Allez, on y va. Là, on va à l'endroit où il nous a donné le mec, là, qu'il a donné rendez-vous à son pote, et on va voir s'il revient avec la voiture. Vas-y, viens, frérot. Les gars, Abdel, il est allé garer la voiture. Là, on est avec le mec qui a fait semblant de faire un malaise. Il a donné rendez-vous à son pote ici même. Donc nous, on va se cacher en caméra cachée vite avant que l'autre il arrive. Eh frère, pars pas, on a ton téléphone. Sinon, on va au keuf direct. Tiens, tu vas mettre ça, d'accord? Un micro serré, n'aie pas peur, commence pas à avoir peur. C'est un micro, d'accord? Tu attends ici avec ton pote et dès qu'il arrive, nous on arrive. Et si tu ouvres ta gueule, je t'éclate parce qu'on t'entend. Ok? Alors bouge pas d'ici. On va prendre ce que tu veux. De toute façon, on a ton téléphone, non, sors pas. Ah ouais, elle est méchante. Bon, comment on va la revendre? Cher frère, même une bouteille d'eau gratuite. Elle est neuve. Il se lève seul et tout, frère. Cher, portefeuille Louis Vuitton, frère. Bon, qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce qu'il tient, là? Qu'est-ce que c'est, ça, frère? On les amène dans le commissariat, non? Oui, le commissariat, tu dois récupérer la voiture, je vais pas me ronger là, frère. Et alors, ça aurait été une daronne, ce qu'il a, tu réveilles sa voiture? Là, je l'aurais pas volé, là, j'ai vu que vous étiez que des gâteaux, frère, sinon on aurait pas volé. Là. C'est ça, vous avez des principes maintenant. C'est lui la humilité, là, ce truc. Je fais la balance alors que c'est toi qui as décidé de voler les voitures. Toi, tu t'es taillé. C'est son oncle, il a un garage, frère, il a plein de voitures volées dans le garage à son oncle, frère. Qu'est-ce que tu dis? C'est lui, là. Si je l'ai balancé ton oncle, je l'ai balancé lui. Ils m'ont dit, je ramène les voitures à son oncle, il est maquillé, revend, frère. Mais tu sais ce qu'on fait? Parce que là, il nous le fait à nous, ça. C'est bien beau, mais il doit le faire à des vieilles, frère. Bien sûr, il le fait. Non, je ne fais pas des darons. Non, c'est. Qui c'est? Non, on ne veut pas, mais. Darons, c'est lui le fait d'habitude. Mec, si tu racontes. Moi, je fais que les hommes, là. Ouais, c'est ça. Allez, viens. Mais pourquoi me faire ça? Non, venez tous les dents. Mais ça va, frère. C'est quoi? Je te donne. Taille-toi, vas-y, taille-toi. Je te donne des sous. Bouge, c'est bon, t'as pas. Ouais, casse-toi. Dégage. Dégage. Vas-y, casse-toi. Regarde bien, toi. Regarde bien, frère. Je vais rentrer en prison, mais quand je sors la tête de ma mère, je t'enterre, toi, ton homme, t'es mort, frère. Monte. Tu fais mon talent. Monte parce que je te jure, je t'explose la tête. Vas-y. On marche à peine, mais. Ah, frère. Allez, allez. Vas-y, frérot. Vas-y, va fermer là-bas. Voilà, et moi, je suis en bas. Monte avec lui, frérot. Tu sais quoi, Abdel? Abdel, monte avec lui derrière, frérot. Vous le prenez et toi, tu t'assois à côté de lui comme ça, il bouge pas. Vas-y, mets-toi au milieu. Vas-y, frérot. Oh, frère, je tremble et tout, gros. Sans merde, je tremble, frère. C'est bon? Oh, frère, arrêtez de me serrer comme ça, là. Je suis fiché, frère. Qu'est-ce qu'il kiffe? C'est comment t'es devant? Et voilà, André. Elle est où la carte? Elle est où la clé? La carte de la voiture, elle est où? Donne-moi la carte. Bouge. Je pense que j'arrive même pas à bouger là. Bouge. Tu vois là? Là, ce que t'as gagné, frérot, c'est un aller-retour en prison. Direct. Tu vois? Écoute, je vais récupérer ta voiture. Si tu vois. On va aller couper, frère. J'étais en train de faire une vidéo avec mon collègue. Tu te mets sur les mauvaises personnes. Je vais ressortir. C'est quoi, je fais 48 heures de garde à vue. Ouais, crois-le. Avec les vidéos qu'on a. Crois-le fort. Tiens, tu joues, tiens, une Tesla, frère. Comptez sans passe de ta figure. Sors, allez, sors. C'est bon, c'est laisse bon. Sortir, je le nique sa mère. Bon, arrête de parler comme ça, frère. Tu sais pas par où on est passé. Ferme ta gueule. Hein. Ferme ta gueule. Tu crois que tu voles des voitures? Tu crois qu'on a fait quoi dans la vie? Reste tranquille, frère. Reste tranquille. Ferme ta gueule, frère. Ferme ta gueule, trou de cul. Tu as la chance qu'ils sont là, sinon t'en frère. Trou de cul. Hein. Nous, des conneries, on en a fait, tu vois, mais des trucs comme ça, on a jamais fait. Eh ouais.
Ouais, tu vois, tu peux faire des trucs sans voler, gros, tu vois. Bon, regarde ce qu'on fait. On va au commissariat, on va arrêter de filmer, ça sert à rien. On va au commissariat, d'accord. Et une fois qu'on est allé au commissariat, ils feront ce qu'ils ont à faire et on va montrer les vidéos. C'est bon? Voilà. Et heureusement, heureusement. Heureusement qu'on a filmé. Bien sûr, on filmé. Et bien sûr qu'on a filmé depuis le début. C'est tombé sur des gens qui font des vidéos sur YouTube. On était en train de se filmer, en train de faire essayer la voiture à mon collègue. Tu es venu, tu nous as volé la voiture, gros. T'as pas... Et en plus de ça, même si on filmait pas, la voiture elle filme. La voiture elle filme, gros. Il y a des caméras, il y a 8 caméras sur la voiture. Abruti de merde. Frère, vas-y, fais pas ça, s'il te plaît. Allez, frère, allez. Mais dis quoi, vas-y, je vais te retirer des sous, frère. Y'a pas de retirer des sous, moi, comme ça. Je vais rentrer en prison, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Regarde. Je suis obligé de... Je suis désolé, je vais être obligé d'arrêter la vidéo parce qu'en plus on a plus beaucoup de batterie. Là, je te paye. Regardez, on a commencé la vidéo. Il faisait jour, il fait nuit. Maintenant, stop, on va arrêter. Mais tu donnes trop droit, je m'en bats les couilles, ton argent, j'en ai pas besoin. Tu as dit, j'étais un bourg, j'ai pas besoin. Frère, je vais on a pas d'enfants. Je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et donc, on arrête. Des voitures, ils ont pas d'enfants. On va arrêter la vidéo. Oh, on va arrêter la vidéo, d'accord. On va t'amener au commissariat. Et au commissariat, ils feront ce qu'ils ont à faire. Moi, c'est pas mon problème. Les amis, je savais pas que la vidéo allait se terminer comme ça. Maintenant, stop. Et tu as de la chance qu'on t'a pas cassé la bouche. En vrai. Frère, en vrai, quand tu filmes, laisse-moi partir, non. C'est bon. Non, lui, il croit que. Vas-y, mais toi, tu crois que. Vas-y, tu peux arrêter là, c'est bon.